Ça va? C'est chelou l'ambiance, hein? Bon, bah on est déconfinés. Mais on sent que c'est pas fini, hein. Et il y a quelques jours, a priori, on a eu une bonne nouvelle. Macron, il a débloqué du pognon pour que les intermittents touchent leurs indemnités pendant un an. Après, c'est normal qu'ils soient sensibles aux intermittents du spectacle, parce qu'entre nous, Macron... Oh, bah c'est un peu un artiste, hein. Dans la même année, il se prend l'affaire Benalla. Violence policière! Ils veulent pas d'image, ils veulent pas d'image. Regardez bien, il a tabassé par terre. Tous les samedis, gilets jaunes, violence policière, bim. Et la manif pour le climat, tu te rappelles? C'est un peu coquin. Gazer des gens qui militent contre le gaz à effet de serre. Alors, j'ai pas les vannes, mais là, Manu, tu tiens un début de sketch béton. Et même pour la journée des droits de la femme, et ma violence policière. J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles. Ah, petit message subliminal sur la fin. Mais pas de manifestation avec une poussette, enfin! Et là, depuis quelques jours, ils ont l'air d'avoir envie de nous donner de l'argent. Ah bah, tu vas voir que dans pas longtemps, on va être obligé de leur dire merci. Après, c'est peut-être sincère, hein, parce que visiblement, le gouvernement, il a une petite passion pour le jonglage, hein. Mais cette idée, il l'a pas eu tout seul, hein. Derrière chaque bonne idée d'un politique, il y a toujours un conseiller en communication. Bonjour, monsieur le président. Bon, on commence par quoi? Là, on est sur un 2 mois de pandémie. Y a pas de masque, y a pas de vaccin. Je vous présente Timothée, mon stagiaire. Bonjour, monsieur le président. Qu'est-ce que c'est beau chez vous? Il est pertinent. En plus, au début, vous avez dit aux Français qu'il fallait pas emporter. Maintenant, vous dites que si. Alors, on va pas se mentir. Les sondages, c'est pas bon. La solution, on l'a pas. Y a comme un petit cumul des mandats, là, monsieur le président. C'est interdit, ça. Oh, elle était bonne, celle-là. Pardon, monsieur le président. Ce que je veux dire, c'est que moins et moins. Y a qu'en maths que ça fait plus. Alors, il faut apporter une bonne nouvelle. Et vite. Là, il faut désenclaver la situation, monsieur le président. Il est un petit peu scolaire, mais il a raison. Du coup, j'ai une idée de génie. Bon, les Français peuvent plus vous blairer. Soit. Mais les gens, ils aiment les stars. Et les stars, c'est des chanteurs, des comédiens. Et tous ces gens-là, à la base, c'est des intermittents du spectacle. Et si, des intermittents du... Ouh, Manu, on est là. Des intermittents du spectacle. Et comme des troubadours, des joueurs de diabolo. Ok. Du coup, on donne du pognon aux cracheurs de feu. Aux intermittents du spectacle. Ils sont contents. Les stars vous remercient publiquement. Et vous passez pour le sauveur de la culture en France. Bravo, monsieur le président, bravo. Putain, ça me colle une demi-molle. Ça, c'est un super plan, chef. Merci, merci, mais et ça me vient comme ça. Je dois être connecté avec un truc en haut, là. Après, c'est la deuxième partie du plan. On va faire un discours autour de la transition. Il faut qu'on se réinvente. Alors, on va envoyer les clowns, les intermittents du spectacle, dans les écoles. Puis aussi, on va emmener des jeunes, voir des répétitions. Par contre, si on arrive à faire ça, on va leur changer leur vie. Putain, c'est bien dit, ça. Faut que tu le dises. Hein. Et d'ailleurs, Timothée a trouvé un groupe de rap avec des super textes, super valeurs. Ça va être génial. C'est le groupe de mon cousin. Regardez, c'est vachement bien. Écoute-moi ça, là, sur un fond d'Edith Piaf. Là, ça va parler à toutes tes générations, là. Tu la sens l'odeur, Manu? Mais c'est l'odeur du deuxième mandat, ça. Pour y arriver, les frères, il faut garder les pieds sur terre, tes mains devant, jamais derrière, et jamais lâcher l'affaire. On est parti de rien, nous les oublier du système. On est parti de rien. L'humilité, c'est les valeurs de la France en marche, ça. C'est bon, putain. Écoute bien le refrain, voilà pourquoi la France on l'aime. Voilà pourquoi la France on l'aime. C'est magnifique. Alors on a prévu de faire une photo avec vous, monsieur le président, dans le local de répète, avec le chômeur, avec le chanteur, puis 4 jeunes des quartiers. Là on est en route, hein, Manu. Bah vous pouvez changer les tapisseries parce que on va y rester un moment, hein. Et bim, on va déglinguer les sondages. Il est con, hein. Je l'apprends vite. On m'a dit des culots, je sais plus quoi faire de mes euros. J'ai le pays du Mozambique et je nique la politique. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pardon, monsieur le président. Oui, bon, on coupera la fin naturellement. Hein. On annule tout, bien évidemment. Oui, non, mais ne le prenez pas non plus sur ce ton-là. Très bien, bonne journée, monsieur le président. Bonne journée. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Il est où, ton cousin? Eh ben, maintenant, mon cousin, il est en prison. Oh, putain.